turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it, 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 DJ. On était six ligues rivales. Le clan nous a tous foutus hors de la ville. Mais ici, on s'est trouvé une cause commune. On est les Silver Six, et un jour, le monde entier connaîtra nous. Tyler, le petit Tyler Morgan? C'est vraiment en train d'arriver. Dios mio, j'y crois pas. Elle est où la blague, Gallo? Il paraît que tu roules pour le clan. Au début, je me suis dit, il est dingue, mais à ce point-là... Je plaisante pas. Lina va payer pour ce qu'elle a fait. Mais c'est qu'il est fâché, le petit taille. Tu veux prouver quoi, cabron? J'ai un truc bien plus simple à te proposer. On en parle après la course. Très bien, cabron. Restez sur la route, nanana... Ouais, alors ça... T'en fais pas. Alors, on va où? On a pris quelques précautions face au clan. Tu comprendras sur place. Suis mes instructions, sois là à l'heure et tu pourras faire la course. T'en fais pas. Même si la Porsche, franchement, elle est beaucoup plus performante que la BRZ, mais... elle tourne vraiment moins bien. Allez, vas-y la Porsche, allez. D'ailleurs c'est con parce que les mecs ils nous ont mis la Infinity comme ça. Merde, la Infinity en voiture civile. Mais celle-là, il faut savoir que dans tout ce qui est custom, drift et tout, elle est beaucoup utilisée. Donc je vois pas du tout pourquoi ils l'ont pas exploité. Peut-être par rapport à son design, je ne sais pas. Ok, la suite. Passe le pont de Fortune Gamble. Dépêche, les moteurs sont déjà chauds. Sauf que c'est moi qui vais gagner. Hey, Dine, c'est pas mal du tout. Allez, s'il te plaît, fais-moi un beau drift. C'est hyper dur de drifter. Allez. Bien joué, amigo. Le terminus, ça sera de l'autre côté. J'y serai. Bah oui, échec. Bah oui, j'arrive pas à tourner avec la Porsche. J'ai un mal fou. C'est bien, continue comme ça, Ty. Mais si. Oh putain. Franchement, elle est pas aussi maniable que la BRZ. Je pense qu'elle va pas durer longtemps, celle-là. On a vite fait la changer. C'est con parce que c'est l'une des Porsches que j'apprécie le plus en fait. Prépare-toi, je suis chaud bouillant là. Non. Le dernier titre, je le donne pas par radio. C'est là où on a planté la mutante quand on était encore au lycée. Tu dis comment toujours que c'était ma faute, mais c'était la tienne, Gallo. Tu chipotes vraiment pour un rien, là. Ok, ça part bientôt. Alors prépare-toi. Wow, la camionnette, mais ton clignotant. Ça passe. Bien ce que je vois, continue.
Le mec qui me juge, tu sais. C'est moi qui ai volé une quenille, hein, tu sais. Et qui échappait aux flics. Putain, les gars. Un moment, on reste à ta place, quoi. C'est où la course ? Le mec essoufflé. Pourquoi le... D'ailleurs, pourquoi t'es essoufflé ? C'est la voiture qui roule. Waouh, sans aucun bonus. Oh, excellent, dégage. Bah alors, c'est où ? Ah, ben c'est... What the fuck ? Mais t'es pas sérieux, mais non, mais quoi ? D'accord, j'ai une parole, je viens de t'envoyer la position. Ah, parce que c'était censé être difficile ? Arrête un peu de te la jouer, tu vas te faire défoncer à l'outlaw de rush. Essaie déjà de me doubler pour voir. Ah, mais je t'aurai. Et après, ce sera au tour de Lina. Oh, j'ai pas dit Lina, j'ai dit le rush. C'est pareil. Oh, que non, tu peux me croire, amigo. Ouh, je l'aime pas trop sa façon de me parler à cet homme drifté, mais c'est pas... On va essayer, je ne promets rien. Hey les gars, je connais ce guignol depuis l'enfance, faites-lui vivre un enfer. Oh, mais c'est qui ce gars? Bon, je vous bouffe au démarrage. Top chrono. C'est bien, c'est le même tracé qu'en ligne. Là. Putain, même dans les courses en... Pas mal ça. Oh, on apprécie. Oh. Ce tour est pour moi. Même en campagne, je joue en solo. C'est pas mal ça. Hop, hop. Attention. Tiens, manque. Et pourquoi ils roulent tous en sens inverse? Bon ben voilà. Non mais c'était sympathique. Hein. C'était une bonne épreuve. Hein. On s'amuse. J'ai peut-être un petit peu farm. Un petit peu trop. Hein. C'est ce que le jeu est en train de me dire. Ah, la Porsche. Je sais pas, faudrait que j'essaye quelques réglages dessus. Mais j'ai... Plus que le dernier tour et bam. C'est galère. Wow. Calmons-nous. On essaye de redoubler les derniers. On y essaie. Allez. Eh, vas-y, on essaie. Fonce la Porsche. Allez. Ils sont là juste devant. Allez la Porsche, allez. Mais en fait, vous savez pas combien. Et hop là, doublé. Bon. Et voilà, premier. Donc nous, techniquement, il faut qu'on attende qu'il fasse encore un tour, et c'est bon. On peut partir. Alors. Et je parlais que ça va être de la merde. Exactement. Voilà où ça va. Bon, bah écoute, oui, c'était plutôt facile. Hein, j'ai apprécié, hein, c'était vraiment top. Mais bon. Ah cool, une cargaison. J'avais oublié ton coup de volant, cabron. Cabron. Allez, laisse tomber ce combat stupide et rejoignez-nous, toi et ton crew. On a des billes dans les...
des affaires qui auraient besoin de mecs aussi doués que toi. Tu te fous de moi, Gallo? Me dis pas que c'est encore le genre de plan qui a fait plonger tous nos gars. Cette fois, c'est pas pareil. Non, cette fois, c'est toi qui plonges. Ça a rien à voir. T'as intérêt à te pointer à la prochaine course. On va te montrer que ça vaut le coup. Oula, c'est assez intriguant son machin. Le mec, il fait quoi là? Ah, le problème, c'est que là, tu vois, je suis complètement en train d'hésiter. Parce que d'un côté, nous avons donc une évasion, quelque chose que j'apprécie énormément. Et de l'autre côté, on a sa course, machin, là, qui... ça a l'air d'être vraiment pas mal. Oh, putain, mais ma voiture, elle est 353. Oh là là. Le mec, pour comparer, c'est comme si moi, j'avais une... je ne sais pas, une Bugatti Chiron. Ou une Venom F1, même si elle n'est pas encore sortie. Et que le mec avait une... une Zoé ou une Twingo. Ouais. Clairement, c'est un petit peu ça. Ouais, bon, je pense qu'on va aller faire son machin. Parce qu'en fait, j'ai aussi peur que la voiture mission, donc la Camaro, soit pas assez améliorée. Donc, on va aller faire son truc. Et peut-être qu'après, on va faire l'autre. Ah, et je me suis aussi rendu compte que j'ai oublié le chrono. Donc, écoute, on va le faire à l'œil. Hein. Ça va, franchement, les trajets sont pas super. Hein. Hop là. Et franchement, elle tourne. Attends. Elle tourne pas super. Hein. Sensibilité des directions. Appui aérodynamique. Franchement. Je vais tenter. Oh, j'en sais rien. Franchement, j'en sais foutrement rien. Je vais tenter ça. Mais elle tourne pas aussi bien que la BRZ, c'est ça le truc. La BRZ, je peux faire n'importe quoi avec. Terminé un... what the fuck? Ah bah d'accord, on va essayer, hein. Ce mec prétend qu'il va tous nous sauver, tu parles. Montre-lui comment on traite les héros par chez nous. Sérieux, gars, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sympa ta Porsche. Voilà. Premier. Ouh, ça parle mal. Hop. On la mange la route les gens. La Porsche quand elle drift, elle te nettoie tes péchés même. Hop. Pourquoi t'as pas fait le transfert de masse? Pourquoi? Là, continue à drifter la Porsche, allez la Porsche. Tu peux le faire. Allez. Voilà. En fait, t'avais vraiment pas fait ça. Elle est pas là pour drifter la Porsche. En fait, faudrait lui installer des pièces Chidori. J'ai vu un peu ce que ça donnait, hein, une voiture entièrement Chidori. T'as pas besoin de drifter. C'est limite la route, elle se plie pour toi. C'est juste incroyable. Mais enfin. Hop, l'esquive. Qui me rattrape? Personne te rattrape d'ailleurs, personne. Ne confonds pas les voitures civiles et les voitures des autres concurrents. Frein à main. Ok. Pardon, vous êtes chiant. Voilà. Allez. Voilà, BMW. L'éternel BMW M3 E63. Toujours elle. Elle est là. Et encore une Infinity. Wouh! Eh ben c'était la merde. C'était plutôt bien négocié, moi j'apprécie. Vous allez pas y arriver les gars. C'est pas la peine de les chambrer encore plus que ça, Taylor. Je pense que déjà ils sont assez remontés.
d'être assez loin comme ça. Nous, on profite du paysage. En plus, on a quand même de la chance en Assassin's Creed, le paysage n'est pas dégueulasse. Bon, c'est pas Forza Horizon 3 et Forza Horizon 2, mais franchement, c'est pas dégueulasse. Les montagnes au loin sont vraiment, vraiment stylées. Franchement, c'est classe. C'est vraiment une glace. Tranquille. Ah bah tiens, j'ai réussi. J'ai même pas fait attention. Oh là là, cet argent. Hop là. Laisse-moi deviner, c'est nul. Ouais. Hop. Bon alors, qu'est-ce que tu nous apprends, cabron? Il est toujours aussi doué, mon petit taille. J'ai dit aux autres que t'as pas perdu la main. Aux autres? Toute la bande du barrio. La sixième rue est de retour, mec. Si tu reviens, ça sera comme au bon vieux temps. Quoi? Toute la bande s'est reformée? Eh ouais, même que les empanadas de Tiavita sont toujours aussi terribles. La différence maintenant qu'on est grand, c'est qu'on se couche un peu plus tard qu'avant. Tu sais, piloter avec vous, c'est que des bons souvenirs. C'est bon, hein? La prochaine course a lieu à l'aérodrome. On se voit là-bas? Ok. Bon, je vois que Tyler, le pire, c'est que le mec, en fait, est peut-être un petit peu bipolaire. Enfin, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Pourquoi on a arrêté les courses dans les tunnels? J'aimerais trop en faire. J'avoue, n'est sorti un Norgrand. J'avoue, Tyler. Non, mais Tyler, on va se le dire quand même. Le mec, depuis le début, est en mode, mais non, c'est une mauvaise idée. Jamais je ne te suivrai. Le mec, il fait une course. Oh là là, c'était tellement bien avant. Et maintenant, ça y est, quoi. Oh là, c'est pas possible. Bon, allez, une petite coupure et on se rejoint là-bas. Je voulais dire, Tyler, mais si jamais tu recommences, je te préviens, je te botte le cul. Bon. Ah, ça passe. Alors, frôler 15 voitures et échapper... Alors, franchement, frôler des voitures, à chaque fois, je le fais assez mal. Mais bon, écoute, on va essayer. Hein. De toute façon, l'argent n'est pas un problème. Ah oh, bah là, ça commence direct. Je viens juste de mettre le contact, quoi. Ah, voiture, coupe-circuit. Comment? Non, ça rien, what the fuck? C'est le scénario de Fast and Furious. Sors-moi de là. Jimmy. Eh ben Jimmy. Alors, quelle agréable surprise. Le clan a juste dit qu'il voulait causer, je te le jure. Alors tu bosses pour le clan maintenant, espèce de traître. Bah toi, c'est toi la complice. Ah ouais, c'est vrai. Un frôlement. Oh mais fuck, mais pourquoi ils ont le nitro scénaristique? Alors qu'est-ce que le nitro scénaristique? Tout simplement, le jeu voit que t'es en train de te faire chier, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il fait accélérer les flics. Alors que les flics, vraiment, ils pouvaient bah, juste mais pas me suivre quoi, tu vois. Bah c'est fini, mais bon. Le nitro scénaristique, c'est le meilleur du nitro. Oh, il fout la peau. T'aimes pas, toi? Tiens, prends ça. Ah. Oh, c'était méchant, visiblement. Ah! Ah, d'accord, c'est la flèche orange. Tu bosses pour le clan, maintenant? Ils ont pas essayé de te faire arrêter? C'était un test, j'ai réussi, j'ai pris du galon. Eh, hey, tu devrais plutôt me dire merci. Insiste pas trop, Jimmy. Ça veut dire que t'es dans le coup, dit Jimmy? J'aime pas trop ça, hein. Putain d'ERS! Je les ai pas vus! Faites que c'est comme dans Revolts! Oh non! Oh ça, oh ouais, plus de se regonfle. Enfin, se refond. Se regonfler, ça c'est un peu.
Dégage. Eh oui, j'ai mis le châssis plus lourd. Cette fois, je suis pas tombé dans le piège. Ça veut dire que c'est moi qui te dégage. Eh oui, monsieur. Ah. Aïe 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 aïe. Ah ouais non mais ça lui apprendra. Le problème c'est de Need for Speed et les collisions, c'est autre chose. Allez. V8 ou merde. Voilà. Ça drift lentement. Mais sûrement. C'est bien. Mais pourquoi il est venu se suicider contre moi comme ça? Alors, on tient le coup? Oh la coupe circuit là. Vas-y. Je peux pas aller en tôle. Non. Non. Oh. C'était un leurre. C'est même pas de ma faute. C'est même pas de ma faute, c'est ça le pire. C'est le flic qui m'a poussé contre son collègue. Ah, je te le dis, hein, c'est... Il s'aime pas trop en réalité. Bon, c'est quand même un petit peu du n'importe quoi les poursuites dans, dans notre bon payback. Hein. Entre les flics qui accélèrent... Avec une sorte de nitro divin. Et ce coupe-circuit à la con. C'est chelou. Hop là, je me casse par le tunnel. Hop là. Oh, je passe un tunnel, il n'y a plus les flics. Bah, je retiendrai ça, tu vois. Même pas la peine de me suivre. Bah, pourtant... Bon, va falloir un petit peu améliorer la caméra, parce que là, ce n'est pas possible. Hein. Là, et... un peu plus de vitesse, ça me ferait plutôt plaisir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, non. On l'est passé, je te dépose. Merci, Miller. Qu'on soit bien clair, Jimmy. C'est bien la dernière fois qu'on fait ça. Ouais, je comprends. Si tu rappelles, je décrocherai pas. Même si t'es en train de crever et que tu me demandes de dire à ta femme que tu l'aimes. Mais, pas mal. Mais je suis pas marié, moi. On est bon. C'est fait. Qu'est-ce que tu foutais dans ce casino? Pourquoi tu me demandes ça? Je te débriefe, Jimmy. Oh. Le casino résiste au clan. Donc on m'envoie pour faire baisser leur valeur marchande. Voler du cash, déclencher des alarmes, effrayer les clients. Ça peut les décider à accepter une OPA hostile. C'est une bonne technique, ça se respecte. Non. C'est dégueulasse. Oh. Il n'y aura plus de casino pour prendre notre argent, c'est dommage. Mais enfin. Comment ça se passe? Ils vont continuer à parler ou je peux couper, faire une petite transition fort sympathique, non? Je... Encore une fois, dans l'histoire Pete, ça ne parle pas. Intéressant. De toute façon, on est presque arrivé. Salut la BM, t'as flippé? T'es une vraie pro, Miller. Tu le sais, ça? C'est vrai.
Une proue chez les pros. Hé, hey, Jimmy, va pas chercher les ennuis. Bon bah voilà, ça c'était plutôt cool. Oh. T'as du talent, la miss. Pour nous, t'es prête pour les grosses ligues. Il faudrait que tu joues les chauffeurs pour une personnalité. T'auras qu'à tendre l'oreille et nous répéter ce qu'il dit. Ça te va? Me voilà chauffeur, Huber. T'envoie le point de prise en charge. Te moque pas des Uber, c'est vachement bien. Moi, moi j'apprécie les Uber. Alors, Alors, ce qui serait pas mal, histoire de préparer un petit peu les autres épisodes, et parce qu'on n'a pas fait de session encore un petit peu garage, on va aller à une concession drift tout le monde, parce qu'il va falloir acheter une nouvelle voiture drift. On va y aller. Hop 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 hop, le petit transfert là. Il fait nuit, me voici. Ah ouais, autant Mike et Tyler, leur petite conversation quand tu roules, enfin leur petit monologue, c'est plutôt sympathique, là, c'est déprimant. Hein. Content de savoir que les concessions sont ouvertes 24h sur 24, ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh putain. Mazda MX-5, la dernière celle-là est vraiment magnifique. On avait une Subaru BRZ bien évidemment. Tac tac tac, ça c'est vrai que c'est la classe. Le VTEC, le Saint VTEC. Nanana, bah on a la Nissan. On a la Nissan, le problème c'est que là maintenant il faut peut-être que je me dirige un peu plus sur des jeux véhicules. Comment dire ça? Qui vont aller, je sais pas, vers le... un peu plus vers le 300, tu vois, qui démarre directement vers le 200, ou vers le, je sais pas moi, le 399, à voir. Là ça paraît, ah mais non, mais oh, c'est nul. C'est nul. Bah écoute, je suis obligé. Alors moi je suis en train de me dire d'un côté. Pour faire plaisir à tout le monde, je pourrais prendre cette BM, hein, parce que nous savons tous de quelle Need for Speed elle provient, hein, de quelle Need for Speed elle pourrait ressembler, hein, bien sûr. Mais bon. C'est putain celle-là, là, la gueule, celle-là. Alors, j'hésite entre la BM et la Skyline. Clairement, la Skyline, va falloir... Allez, la Skyline. Parce que Godzilla, parce que japonais, puis parce que voilà, puis parce que c'est du drift qu'on prendra. Bon, c'est parti. On va aller modifier tout ça. Ça fait plutôt plaisir. Oh là là, cette voiture. Franchement, je l'aime bien. Hop, 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 touche pas. Allez, allez, allez. Après, tu sens que c'est une voiture en drift, hein, quand même. Parce que, bon. C'est pas mal, c'est ce que tu fais avec, quoi. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'en ligne, ils vont nous mettre les épreuves drift et tout. Parce que s'il y a bien quelque chose que moi, j'adorais, par exemple, dans les Need for Speed 2015, ou même en solo. Je trouve ça super sympa et malheureusement bah y en a plus dans Need for Speed Payback, c'est des trains de drift. C'est vraiment dommage. C'était stylé ça, partir sur les flancs de montagne avec en suivant plein de voitures en train de drifter, c'était vraiment génial ça. Mais enfin. Alors, on va bourrer un petit peu les pièces comme ça. Hein. Après toute la session, je dirais farm de la voiture, vous ne la verrez pas en fait. Vous ne la verrez pas. Et je pense limite, ce qui se passera, c'est que je vais la remettre au garage, on va continuer l'histoire. Et dans le prochain épisode, on fera l'amélioration et tout, enfin tout ce qui est customisation. Et peut-être une petite intro, etc. Ça pourrait être pas mal. Allez hop, on va te laisser au garage. Le garage qui se trouve là-bas. On va faire la route, parce que c'est vraiment sympathique d'avoir sa Skyline. Alors par contre, oui, j'aimerais qu'on précise. C'est une GTR. C'est une Skyline avant tout. Hein, s'il vous plaît.
Parce que c'est comme ça. Vous tapez au pire Nissan Skyline, vous mettez, vous l'écrivez sans le GTR, et vous verrez à quel point le sigle GTR lui a fait du bien. Ça parle mal. Ça parle beaucoup trop mal ici. Oh là là. Ah oui, oui, en parlant d'épaves, oui, en live, en fait, on a recherché un petit peu toutes les épaves. Enfin, toutes les épaves, peut-être qu'il en reste, hein, je ne sais pas, puisqu'il reste des pas mal de clans. Donc, je pense qu'on va encore se faire une grosse session live. Hop, on va prendre cette voiture, la Porsche, bien évidemment. Ensuite, ouais, donc sinon celle-là, faudrait que je pense à la restaurer, etc. Je vais vite fait vous montrer les véhicules qui se sont faits en live. Il y en a certains que je ne cautionne pas, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais bon, écoutez. Tout terrain, donc nous avons cela. Donc qui est un pick-up Chevrolet, hein, de toute beauté. Designé un peu à la Central. Ça s'est fait en live. Hein. Alors là, c'est vraiment bizarre, hein, je vous le jure. Alors, on a Garage Audi écrit sur le côté, des jantes, voilà, il est hyper abaissé, bien sûr. On a le drapeau japonais américain plus un cœur au milieu. On a la plaque avec écrit Clio 4 RS parce qu'on histoire un petit peu de troller, tu vois, histoire de voilà, tu fais croire au véhicule que t'es lent en réalité, ben non, tu vois. Enfin, même si dans la vraie vie la Clio 4 RS est plutôt lente. Mais on a Joule écrit en gros sur le capot et sur le toit nous avons Issou. Alors ceux qui ne savent pas qui est Issou, c'est dommage pour vous. Ensuite, bien sûr, nous avons l'aileron plancha à l'arrière de toute beauté. En fait, on a hésité entre l'aileron bar et l'aileron plancha, mais bon, visiblement, c'est l'aileron plancha qui a gagné. Et voilà. Après, j'ai prévu aussi de faire d'autres véhicules plutôt sympathiques en live. Par contre, là, ça va être vraiment chaud. Je pense qu'il devrait choisir une autre voiture. Où est ma... Vite fait, s'il te plaît, je voudrais ma magnifique Porsche. Voilà, franchement c'est l'une des Porsche que j'apprécie le plus, honnêtement. Ouais, je voudrais faire en fait une voiture spéciale abo en fait. Et en fait les vinyles ça serait que les noms des abos que je vois en live en fait. Et je collerai tous les noms en fait sur la voiture. Je ferais un truc plutôt pas mal, stylé. Alors ce que je veux faire en fait dessus, c'est mettre orange. Allez, vas-y, hop. Fumer des pneus rouges. Voilà, néon, ça dégage. Et suspension pneumatique. Voilà. Par contre, klaxon, non, on va laisser ça comme ça. Voilà. Là, je pense que la Porsche, on vient d'augmenter sa valeur. Clairement. On va même faire le test. On va éteindre le moteur. Ah, ça baisse pas trop. Bah oui, après, tu me diras qu'elle peut pas aller sous la route. Donc là, tu démarres. Elle se lève mais pas de beaucoup, mais normal, elle est déjà rabaissée à mort. En fait, faire ça sur le pick-up, je pense que ça aurait été pas mal. Faudrait prendre un véhicule qui n'a pas été rabaissé. Et tu installes ça, c'est plutôt con. Enfin, c'est plutôt cool. Ici, tu me disais. Bah écoute, on va se TP pour une fois, histoire de garder un petit peu de temps. D'ailleurs, je ne sais pas du tout en temps où on en est. Mais bon. Oh, ce son. Oh, le son. Le son, monsieur. Comme ça qu'on fait un départ, tu vois. Oh là là. Ça serait pas la même course qu'en ligne. Bah ouais, bah vas-y, freine pas, je te dirai rien. Oh là là. Bah ouais, bah écoute, ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. Faites un saut de... Ah non, pas du tout, il y a un saut là. C'était pas la même course qu'en ligne. Oh, les cheveux saignent rouges comme ça. Oh, magnifique. Stop chrono. Vous avez démarré? Non? Non. Ouh, il va y avoir un saut là. Bon, alors, dans cette course solo, qu'est-ce que... Va falloir que je trouve un truc à raconter.
Ouais, pour la voiture spéciale abonnée aussi en live, ça va être très dur, hein. Le choix va être très dur. Moi, je voulais que ce soit une GTR au début. Et après, je me suis dit, quitte à utiliser, parce que après, je vais faire du classé donc dans Need for Speed. Et l'idée, ça serait d'utiliser la voiture. Donc, ça sera peut-être la Red Gérard. Je sais pas. Je sais pas, ça va être compliqué. Très compliqué. Pas forcément une méga car. Peut-être juste. Je sais pas. Ouais, peut-être juste la GTR. Va falloir que tu tournes la Porsche. Au bout d'un moment. Et ouais, mais là, la madame a décidé de ne plus tourner. De me stopper. Wow. Voilà. Allez, fonce la Porsche. En soi, on y est presque, hein, honnêtement, là. Allez, on va voir si on peut le faire avec la Porsche. Allez. Vous allez pas y arriver, les gars. On dose l'accélérateur. Ouais. Pas qu'avec la VRZ, mais écoute. Ça passe. Mais faut tirer le frein, là. Je comprendrai que... Hop. Vas-y, 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 vas-y. Yeah. Bon bah voilà. Trop facile. Ah mais ça tu peux le dire, Tyler, hein. Vraiment trop facile, hein. Je sais pas où. Je sais pas où se cache la compétitivité, le challenge, ils sont pas là. Ça parle très mal. Alors cette fois-ci, on va prendre ici, voilà. C'était de la merde. Ah, c'était vraiment de la merde. Hop, échanger. C'est pas grave, ça fera des pièces, des jetons pour la Skyline. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Bon. Gallo. C'est quoi l'affaire? Pourquoi tu replonges dans ces plans foireux? Tu te rends pas compte? Le clan a failli tout nous prendre. Tout... Alors? J'ai fait de la tôle. Même les flics leur mangent dans la main. Ouais, ça nous fait pas peur. Je te connais. Si t'as besoin d'une excuse pour tout arrêter, je t'en donne une. À l'époque, je dis pas. Mais pas cette fois. Ça, c'est ce que tu dis. Mais t'as pas du tout l'air pressé de plus rouler avec nous? Je m'en doutais. La prochaine course est au barrage. Je sais que t'y seras. Ça marche, mais avant il faut que je prépare une Nissan Skyline GTR de toute beauté, c'est la R34, hein, quand même tu sais. Mais bon, sinon tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, bon n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, surtout commenter, c'est assez important. Et moi je vous dis à plus tout le monde, pour la prochaine.